Bonjour à tous, ça fait quelques années que je suis en Chine et j'ai créé des contenus liés à la Chine en termes de business, des études en Chine, de la vie en Chine et j'ai fait également des vidéos qui concernent la formation des logiciels d'ingénieurs. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas de vous poser quelques instants avec votre tasse de café, de prendre votre temps, de subscribe, de liker et surtout de partager la vidéo. N'hésitez donc pas de faire un commentaire pour me faire part de tout ce que vous voudrez que je puisse partager dans les prochaines vidéos. Si vous avez eu le temps de suivre la précédente vidéo, je vous invite à suivre cette vidéo parce qu'elle sera encore plus intéressante, où je vais donc vous montrer dans cette deuxième partie de notre vidéo, de notre vlog dans le grand marché des électroniques de Guangzhou, où nous allons donc vous montrer les opportunités et les marchés n'est tout autre que les Dashato Second Hand Market. Là, c'est l'entrée. Ce marché n'a pas qu'une seule entrée. Ça possède également d'autres entrées que vous pouvez donc vous-même découvrir de ce que vous êtes sur place. Et cet endroit est plein d'étrangers qui viennent se procurer des téléphones et bien d'autres des accessoires des téléphones. En tout cas, vous allez vous-même voir à l'intérieur lorsque vous entrez. Voyez vous-même le nombre d'étrangers qu'il y a ici. Ça vous fait comprendre combien il y a une opportunité de créer un business très rentable entre votre pays et la Chine. Donc n'hésitez donc pas de pouvoir saisir cette opportunité. Alors ces bâtiments contiennent trois niveaux et chaque niveau est plein d'opportunités. Par exemple là, je vais vous faire circuler un tout petit peu dans le sillage de ces bâtiments pour que vous-même vous puissiez vous enquérir un tout petit peu ce qui concerne les opportunités à saisir. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez en aucun instant de me contacter pour que nous puissions un tout petit peu comprendre comment on peut travailler ensemble. Donc voilà, un tout petit peu, je vais vous amener avec moi dans ces bâtiments, vous faire découvrir le premier, le deuxième et le troisième, et on se retrouve à la fin. Et n'hésitez donc pas de pouvoir vraiment commenter si vous avez quelque chose qui vous intéresse. Et on garde contact. Je vais donc vous faire visiter un tout petit peu ce coin. Voilà, je vous amène un peu dans le sillage de ce premier niveau de ces bâtiments de second hand. Et ici, vous pouvez acheter des téléphones de très bonne qualité qui sont à 99% nouveaux, que vous pouvez donc envoyer dans votre pays et vous faire des sous. Et j'ai des contacts ici. Si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas de vraiment me faire signe et je pourrai donc acheter pour vous sans problème. Vous voyez le nombre important des étrangers qu'il y a ici. Vous voyez combien il y a vraiment un nombre important d'étrangers qui viennent et qui reviennent, qui repassent. Vous ne pouvez pas faire un pas sans vous voir un étranger. Voyez, bon. C'est vraiment intéressant parce que tout le monde vient se ressourcer ici, en tout cas, sans vous mentir. Les commentaires. Je vais donc monter à un autre niveau pour essayer de voir ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'était au premier niveau et je suis en train de monter au second niveau, second floor. Et là, il y a aussi les mêmes choses qu'on a vu là-bas, les caméras et tout. Mais là, ce sont les deuxièmes mains. Mais généralement aussi, ils ont de nouvelles choses ici, des ordinateurs. Vous voyez les ordinateurs. En tout cas, vous allez avoir besoin de n'importe quel type d'ordinateur ici. On va alors cette fois-là entrer dans un autre couloir. Vous voyez, comme vous voyez ici, ce sont vraiment des ordinateurs, hein, de tout type d'ordinateurs en tout cas que vous voulez. Tout type d'ordinateur. C'est juste que vous sachiez ce que vous cherchez. Alors là, je vais entrer ici. Je vais entrer ici. Vous voyez les couloirs, il y a des ordinateurs. En tout cas,
il y a tout ce que vous cherchez. Par exemple, là, ce sont des... C'est pour l'imprimerie, au fait, il y a tout ça. Il y a vraiment tout ça. Donc, voilà. En tout cas, il y a tous ces détails. Et là, je crois que on va changer de couloir. On va donc utiliser un autre couloir. Là, ce sont par exemple là, les appareils Nikon et tout. Et voilà, ils ont des canons également. Donc, il y a vraiment tout ce que vous voulez avoir besoin. Ça, c'est un Guangzhou. Electronic Market, Second Hand Market. Alors là, comme vous voyez, ce sont des ordinateurs. Donc, des ordinateurs. Il y a des caméras. Là, nous ne sommes qu'au deuxième niveau. Nous sommes qu'au deuxième niveau. Alors on avance un tout petit peu. Et voilà, il y a ça. C'est tellement grand ici en tout cas. Vous voyez, là nous sommes dans un autre couloir, il y a deux sacs. Il y a donc les appareils encore ici, vous voyez. En tout cas, ça, ce sont encore les effets militaires. On a un peu sillonné une bonne partie de ce deuxième niveau. On va aller au troisième et dernier niveau, voir ce qu'il y a. Je suis fatigué, j'ai faim. Là c'est la musique et tout, la musique et tout, la musique. Tout ce qu'il y a comme musique ici. Voilà, ce sont des mêmes personnes. Maman, au revoir. Bye bye. Voilà. Ada. Voilà. Nous avons donc tout ce qu'il y a là et tout. Waouh, regardez-moi ça. Ça, c'est la machine à crème. Hein? Intéressant. Et à l'intérieur, ils ont aussi d'autres choses, en tout cas. Là, on a déjà vu. Yo. Donc là, nous sommes bien au troisième niveau. Comme vous pouvez bien observer ici. Là, nous sommes bien au troisième niveau. Il y a votre cuisine, en tout cas, ça c'est vraiment ce qu'il vous faut. Ça, ce qu'il vous faut. Je vais demander la carte ici. Peut-être que ça vous sera intéressant d'acheter ici. Donc, je viens de prendre la carte pour ces... maison. Ils vendent des télévisions et puis ils vendent également des appareils pour la cuisine. Et voilà, on fait un autre couloir. Ce couloir nous présente un tout petit peu les appareils qu'on a déjà vu, genre les groupes électrogènes, les microwaves, les bouillards. En tout cas, ce n'est que vous qui décidez. Tout ce que vous avez besoin, en tout cas, l'industrie musicale se retrouve également ici.
Bon, je m'arrête ici, je fais un tour de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est vraiment les instruments de musique que vous voyez là, tout type d'instruments que vous cherchez en tout cas. Je vous fais juste un tour rapide, hein. Un tour très rapide, très très rapide en tout cas. Là c'est vraiment vraiment le troisième niveau. Je vous emmène dans le sillage du troisième niveau. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En tout cas, j'ai parcouru tous les coins, zéro coin. Ce sont les CD. Ceux qui sont intéressés par les CD, je ne sais pas. Il y a vraiment toujours les CD ici. Des montres. Des PS, encore une fois de plus. Thank you.
ça va le faire. Oui. Ah,
Allez, le pied où? On va mieux. Bon, présentement, je viens de finir ma petite visite dans ce bâtiment que vous voyez là de Second Hand. Et là, je me dirige à Xiao Bay où je vais aller manger un dernier repas avant de rentrer chez moi. On y va ensemble. Ça, c'est quelque chose que vous aimerez, que vous aurez besoin d'acheter. Ça nettoie les vitres et les rend tellement clean. Vous voyez ce que ça fait? Il y a encore d'autres appareils ici, en tout cas ça c'est intéressant. This is for two guineas. This is for two guineas. This is price.